Cette présentation a pour but de présenter Teams gratuit sur un Mac, et cette présentation est organisée autour d'une participation à un cours particulier, uniquement avec deux écrans. Et cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du CILAC, la saison 2020 et 2021, et surtout dans le cadre du confinement actuel. Alors, le but de la présentation est de montrer le mécanisme des réunions. Ici, il s'agit d'une réunion fictive entre l'organisateur de la réunion, Yves, et un invité qu'on va appeler MB. Yves et MB sont en réalité la même personne. Et oui, et on verra plus tard que je devrais couper les micros à cause de l'effet Larsen. Et l'affichage des deux écrans se fait via le partage d'écran entre un MacBook de MB et l'iMac de Yves. Alors en premier, Yves lance la réunion quelques minutes avant l'heure fixée. La réunion se déroulera dans le cadre d'une équipe, l'équipe CILAC iOS. Et l'élève, ou le participant, comme on veut, donc MB, lance Teams. Il se connecte ensuite à CILAC, puis il ira dans l'équipe CILAC iOS, canal général, où une réunion est ouverte, donc puisqu'elle avait été lancée préalablement par IF. Et MB cliquera sur « Joindre la réunion ». Voyons maintenant le processus. Alors, ça c'est une vue générale de Teams. Alors, en haut à droite, c'est l'identifiant de la personne qui est connectée à Teams. En dessous, on a les participants à la réunion. En dessous, on a une suggestion de membres que l'on pourrait inviter. Ensuite, en bas, on voit une barre d'outils. Et dans la barre de bas, on a les participants à la réunion. Et au centre, dans le cadre d'un atelier tel qu'ils sont faits au CILAC, c'est la présentation PowerPoint qui est en cours. Alors, on va voir d'abord les acteurs fictifs de cette présentation. Donc à gauche, c'est le MacBook Air M1 d'un membre du CILAC, donc on va appeler MB, MB pour MacBook, comme ça c'est plus simple, qui est invité à la réunion. Enfin, il est invité à la réunion, mais c'est un membre à part entière. Et à droite, c'est l'iMac 27 pouces de Yves, qui est l'organisateur de la réunion. Alors à droite, on voit un peu plus près, l'iMac 27 pouces de Yves, donc l'organisateur de la réunion, comme je viens de le dire. Alors l'ordinateur est sous macOS, version Catalina. Le MacBook de M1 est sur Big Sur, évidemment. On ne peut pas faire autrement. Et donc, c'est toujours le MacBook de M1. Alors, voyons voir les préparatifs du côté de Yves. Donc, Yves va lancer Teams et il va se connecter à l'organisation CILAC. Ensuite, il va donner son identifiant, c'est-à-dire l'adresse de son compte Teams, qui est aussi un compte Microsoft, et donnera bien sûr le mot de passe. Ensuite, il entre dans l'organisation CILAC. Yves voit les équipes où il est inscrit, et Yves est propriétaire de l'équipe CILAC iOS. Donc dans le canal général, Yves va démarrer une réunion. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la réunion sera lancée préalablement avant le début qui est fixé, généralement. Donc, c'est un quart d'heure. Donc, la réunion est terminée. Voici le démarrage. Démarrer une réunion. Connexion. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore
d'invités. Éventuellement, on peut à ce moment-là inviter des participants à la réunion. Alors, ces participants doivent déjà être des membres Teams de l'équipe laquelle la réunion est lancée. Voilà, donc Yves est l'organisateur. Là, on peut voir quelques suggestions de membres qui font partie de l'équipe Silac iOS et qui ont déjà participé aux essais de Teams. Alors, l'organisateur peut mettre un effet d'arrière-plan, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il va cliquer sur les trois petits points ici et afficher les effets d'arrière-plan. Voilà, l'organisateur a pris le fond d'écran un peu scolaire. Bon, les haut-parleurs sont désactivés à cause, comme j'ai dit tout à l'heure, des effets Larsen entre les deux ordinateurs, le MacBook et l'iMac. Et voilà, la réunion est lancée et Yves attend que l'invité ou un invité ou un participant se connecte à la réunion. Alors, du côté de l'invité, voyons ce qui se passe. Donc, l'invité, c'est toujours MB. Hein. Bon, MB va lancer Teams sur son Mac. Il va se connecter avec son identifiant Teams et le mot de passe. Il va entrer dans l'organisation à laquelle il est inscrit, donc dans le cas présent, c'est le SILAC. Teams se lance et voilà. Et donc MB voit l'équipe, donc c'est Silac iOS, équipe dans laquelle il est inscrit. Alors on peut voir ici que dans Silac iOS général, il y a une caméra qui indique qu'il y a une réunion qui est en cours. Et donc là, MB va cliquer sur joindre pour rejoindre la réunion qui a été lancée ici par Yves, que l'on voit là. Là, il se connecte. Et voilà. Donc à gauche, c'est l'écran de MB. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'affichage. Et à droite, c'est l'écran de Yves et qui voit ici MB. MB peut mettre un arrière-plan, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, il va prendre un arrière-plan avec des petits ballons. Voilà. Donc l'arrière-plan a été choisi ici. Et donc Yves voit sur son iMac, voit MB sur un. Pardon. Sous un arrière-plan avec des petits ballons. Voilà. Alors, la réunion étant commencée, MB voit Yves sur son MacBook et Yves voit MB sur son iMac. Bon, dans le cadre de plusieurs participants, bon, Yves, ici, verrait plusieurs participants ici. Donc, en bas, on voit ça ici. On est là dans le fond d'écran et c'est Yves qu'il s'agit. Et là, ici, on est sur le MacBook, le MacBook de MB. Et sinon, on verra ici les autres participants à gauche. Et là aussi, on verrait les autres participants à gauche. Alors, pour lancer une présentation PowerPoint, Yves va ouvrir le bac de partage dans son outil. Et dans la barre d'outils, on verra les différents outils qui sont utilisables. Alors le premier, c'est la caméra.
pour activer ou désactiver la caméra. Ensuite, c'est pour couper le microphone. Ensuite, c'est pour ouvrir le bac de partage que l'on verra plus en détail tout à l'heure. Là, ici, ce sont les trois petits points, ce sont les autres actions. Et voici alors, le détail des autres actions. Ici, c'est pour le participant, donc dans le cas présent MB, s'il veut lever la main pour attirer l'attention de Yves et pour poser une question. Bon, c'est important pour éviter que ce soit la pagaille, que tout le monde parle en même temps. Ensuite, là ici, c'est pour le bouton pour afficher les conversations. Donc, ce sont les messages. Là ici, c'est surtout utile pour l'organisateur de la réunion. C'est pour afficher ici sur la droite les participants à la réunion, et en particulier pour voir quand un participant lève la main. Et enfin, pour terminer, c'est le bouton raccrocher. Alors, voyons voir le bac de partage de l'iMac de Yves. Alors, dans le cas présent, Yves veut lancer une présentation PowerPoint qui est dans l'équipe SILAC iOS dans un canal. Voilà. Donc, pour aller rechercher sa présentation PowerPoint, Yves clique sur Parcourir. Et il va parcourir les canaux et les équipes. Donc, dans le cas présent, il va aller parcourir le canal Excel pour iPad de l'équipe SILAC iOS. Et là, Yves va choisir une présentation PowerPoint que l'on voit ici dans les fichiers. Donc, dans la recherche d'une présentation PowerPoint, il n'y a, dans le canal général, il n'y a rien. Donc, Yves va aller voir dans les autres canaux où est une présentation. Donc là, il y a une présentation qui est dans Excel pour iPad. Et dans Excel pour iPad, il va lancer Excel 365 iPad M1. Et Yves clique sur Partager. Et la présentation s'affiche sur tous les écrans des participants. Alors, donc dans le cas présent, on voit qu'il n'y a que deux participants. Yves Cornille, l'organisateur, et Yves de Silac, alias MB. La présentation toujours continue de s'afficher sur tous les écrans. Et pour poser une question, MB va ici, sur la barre d'outils, lever la main. Donc il va cliquer sur la main, et Yves verra ici, dans les participants, donc dans la mesure où là, affiché les participants, il verra qu'il y a, que MB a posé une question, mais on le voit aussi sur les différents participants ici. Là, on voit aussi une main donc de MB. Là. Donc, Yves donne la parole à MB, et MB peut poser sa question, et tous les participants à la réunion, bon, dans le cas présent, il n'y en a que deux, tous les participants peuvent entendre la question de MB. Et ensuite, Yves va reprendre sa présentation PowerPoint en cliquant ici sur la présentation qu'il y a ici dans le bas, disons, du côté du bac de partage, on va dire. Et la réunion va continuer et la présentation va se resynchroniser à l'état où elle était, où elle avait été interrompue. Donc la réunion continue. Donc, et la présentation PowerPoint continue. Voilà. Alors, Yves a la possibilité d'afficher son bureau pour que aider les participants pour donner des explications supplémentaires
Alors évidemment, dans le cas présent, comme on est sur un iMac, Yves pourra afficher son écran d'iMac et cet écran d'iMac sera visible sur le MacBook distant de MB et donc aussi sur les écrans des autres participants. Alors, la possibilité d'afficher le bureau de l'iMac de Yves nécessite des autorisations dans sécurité et confidentialité. Voilà une petite faute là. Voilà. Yves affiche son dossier préférence système et MB peut voir ici l'écran complet de Yves. Donc là, ici, dans le cas présent, on est dans les préférences système. Alors, quand la réunion est terminée, un des participants peut cliquer sur raccrocher. Alors ici, dans le cas de cet essai, c'est MB qui raccroche. Donc il va cliquer sur l'outil raccrocher. Voilà. Ensuite, MB va se déconnecter. Donc il va aller cliquer ici sur son petit outil d'identification et il clique sur se déconnecter. Alors voyons voir très rapidement que Teams peut fonctionner aussi sur d'autres appareils. Alors ici, c'est l'affichage de l'écran d'un iPad d'un invité en réunion sur le Mac. Bon, dans le cas présent, c'était Jean-Michel qui avait affiché l'écran de son iPad. Là ici, c'est Teams sous un PC sur Windows 10. Bon, lequel Teams sur PC est en relation avec un iPad. Et là ici, c'est l'affichage de la réunion sur un iPad, et dans le cas présent, c'est la liaison avec le PC sous Windows 10 que l'on vient de voir précédemment. Maintenant, c'est Teams sur un iPhone, donc qui est en liaison avec le Mac, mais ça peut être aussi bien sûr avec un autre appareil. Enfin, pour terminer provisoirement un petit parcours d'autres matériels, là ici c'est Teams sur un smartphone Android et qui est en liaison avec un Mac. Voici les différents matériels et logiciels utilisés. Teams gratuit sur un Mac, le partage d'écran et capture d'écran sous macOS, iMovie sur iPad pour aller découper la présentation de capture. QuickTime Player et Graphic Converter 11 sur le Mac. Bing pour les illustrations. Et PowerPoint 365 pour Mac. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.